Bonjour à tous et bienvenue sur AquaZen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à nouveau à mon aquarium nano. Il y a eu quelques changements et avant d'en parler, je voulais juste vous montrer cette image qui est assez rare car je la vois assez peu. C'est une petite crevette qui au départ, quand je l'avais prise au tout début du lancement de l'aquarium, c'était une red cherry soi-disant. Là, on peut voir que c'est pas du tout une red cherry, qu'elle est plutôt verte et elle a survécu toute seule et c'est pour ça que je vous avais posé la question dans la dernière vidéo. Est-ce que je peux en mettre d'autres pour lui tenir compagnie? Et là, on voit qu'elle n'hésite pas à sortir de sa cachette et que le combattant ne lui fait rien du tout. Si vous vous souvenez bien, lors des dernières vidéos, je vous avais beaucoup parlé de l'ajout de plantes dans mon aquarium 80 litres. Sachez qu'à cette occasion-là, j'avais gardé quelques plants pour mon aquarium nano. J'avais pris de la bacopa, de l'alteranthera et aussi de l'échinodorus. Et voilà ce que ça donne après avoir planté ces nouveaux plants. Vous avez de l'hygrophilia au premier plan sur la gauche, juste derrière l'alteranthera. Dans le fond, de l'égéria que j'avais repiqué de mon bac 80 litres. Au centre, une anubia nana. Sur le côté à droite, il y a une échinodorus et de la bacopa. On va laisser ça évoluer quelques jours et on verra ce que ça donne. En ce qui concerne la population, je vous avais également posé la question lors de la dernière vidéo, qu'est-ce que je peux faire de mes rasbora harlequins? Et bien comme vous avez pu le voir, je les ai transférés dans mon aquarium 80 litres, ce qui laisse tout seul mon combattant dans cet aquarium. Certains d'entre vous vont être très heureux, sachez que je ne compte pas mettre d'autres poissons avec mon bêta. Alors pourquoi j'en suis venu à cette déduction-là? Ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était l'état de ces nageoires. Ce que je peux dire après quelques semaines de solitude, ces nageoires repoussent. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir l'évolution et j'espère que ces nageoires reviendront à l'état normal de manière à ce qu'ils retrouvent sa beauté initiale. Petit retour en arrière, j'avais donc commandé, et je ne vous l'avais pas dit, des Red Cherry sur le site Flore Aquatique. J'en avais commandé 10. Alors petite info, parce que je vous le dis en toute transparence, j'en ai reçu 9 au lieu de 10 et il y en avait une qui était morte dans le paquet. Bon, pour cela, j'en ai fait part à Flore Aquatique et ils m'ont fait un bon d'achat équivalent au prix des 2 crevettes perdues. La remarque que je me suis faite tout de suite lorsque je les ai vues, je me suis dit, mon Dieu, qu'elles sont petites. Elles sont tellement petites qu'en termes de gabarit, je me suis dit, mon combattant va les confondre avec des Artémias. Donc c'était une très grande crainte. Je les ai introduites, j'ai essayé d'avoir une phase d'acclimatation la plus longue possible et qu'est-ce qu'il en ressort? Dans un premier temps, pas de problème, il ne les a pas particulièrement chassés. Cependant, je dois avouer que je l'ai vu de mes propres yeux gober une crevette devant moi. Depuis, donc ça fait quelques jours qu'elles évoluent dans l'aquarium, je les vois très très peu et je pense qu'il en a mangé quelques-unes et que les autres se cachent. Donc j'espère fortement qu'elles ont trouvé des cachettes avec l'ancienne crevette, celle que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. Pour le moment, cette expérimentation est assez mitigée dans la mesure où quelques crevettes ont certainement péri dans cette opération. Personnellement, je pense que c'est un échec. Je croise juste les doigts pour qu'il y en ait quelques-unes qui aient éventuellement survécu et se soient cachées dans la végétation, dans la mousse de Java qu'il y a à l'arrière de l'aquarium. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Pour ce bac, rien du tout. Je vais voir si certaines crevettes ont survécu et au pire, j'ajouterai un ou deux escargots. On s'arrête juste sur un plan fixe de mon bac quand j'ai ajouté les nouveaux plants et quelques jours plus tard, je peux dire que les plantes dans ce bac poussent très bien. Et depuis que j'ai mis les plantes, mon bêta se fait une joie de se cacher, de se faufiler entre elles. Limite, je le vois très très peu et il en profite à max. On sent vraiment qu'il est très à l'aise dans ce bac et on le comprend. Je voulais vous montrer également l'Alteranthera qui au niveau de sa couleur rouge est superbe. Sachez que dans mon aquarium 80 litres, elle se développe pas aussi bien que ça. Donc pour le coup, je suis très content de l'évolution de ce petit bac. Voilà, cette vidéo est sur le point de s'achever. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'évolution du bac. Avant de me quitter, je vais bientôt faire une commande d'escargots. J'aimerais savoir combien d'escargots est-ce que vous pensez que je peux rajouter dans cet aquarium. Je vous laisse cliquer en haut à droite de l'écran et me répondre sous forme de sondage. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas, mettez la cloche de notification si vous voulez être au courant de l'apparition de mes prochaines vidéos, sachant que j'en sors 2 par semaine. Voilà, je vous dis à la prochaine, allez salut, ciao !